tout le monde, j'espère bien. On se retrouve dans une vidéo. Donc là, les gars, aujourd'hui, je vais prendre mon petit frère avec un faux couteau. Si vous entendez des pas là, c'est parce que Bijou, il est actuellement en haut, là. Il est en train de ranger ses habits. Donc là, actuellement, j'ai un faux couteau sur moi. Et puis, je me suis dit que c'était une bonne idée de lui faire croire que je me. Avec un faux couteau. Donc, YouTube, c'est un faux couteau, ok? C'est pas un vrai couteau. Faux couteau. Ici, on a un couteau qui est vrai, ok? Celui-là, il est vrai, les gars. Je vais vous montrer le faux couteau, ok? On voit même pas la différence. On voit même pas la différence. Mais bon, donc là, je vais l'appeler et puis à un moment, je vais juste faire ça comme ça. Boum! Sur moi. Il sera là, il sera choqué. Il va dire, qu'est-ce que tu fais, Junior? Il va faire ça comme ça en moi. Il va pas penser que c'est un faux, tu vois. L'idée que c'est un faux, il va pas traverser son esprit. Lui, il va juste voir ça. Il va être comme, Junior, qu'est-ce que tu fais et tout. Donc là, on y va, les gars. J'ai une pomme ici que je vais couper en deux. Il y a une partie qui sera à moi et l'autre partie, je vais la laisser à Bijou. Donc là, je vais l'appeler pour qu'il vienne couper sa pomme à lui-même et qu'il la mange. Et puis, je vais juste laisser la cam là. Je vais dire que. Tu vois, j'étais en train de couper une pomme, je faisais juste une vidéo, une petite intro avant qu'on sorte là, parce qu'on est censé sortir. Mais je sais même plus si on va sortir parce qu'il est en train de pleuvoir actuellement là. Donc là, tu vois, ça colle bien, ça, c'est tranquille, c'est tranquille. Les gars, je pense que je vais utiliser ça pour couper la pomme, ce couteau-là. Ce couteau-là, qui est le réel, je vais le laisser à côté. Comme ça, il va le voir. Et ensuite de ça, je vais enlever ce couteau-là, mettre ça à côté. Il va pas avoir de différence. Et là, maintenant, je prends ce couteau-là, il va croire que c'est le même, celui-là. Et là, je le coupe sur moi, tu vois. C'est toi qui va vouloir la manger parce que Bijou là, il est un peu compliqué des fois. Des fois, il va dire, oh non, la pomme elle est gâtée, elle est plus trop bonne, j'ai plus envie de la manger. Vous savez que manger une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours? Mange une pomme par jour, ça éloigne le médecin pour toujours. Non, ça éloigne le dentiste pour toujours. Ouais. Mais bon, je vais prendre quelle partie? La partie qui a l'air le plus clean, je vais la laisser à Bijou parce que si c'est dégueulasse, il va dire non, je veux pas. Celui-là, il a la plus clean, je vais laisser celui-là à lui et là, je vais prendre ça. Bijou! Tu ranges encore tes habits là? T'as fini de ranger? Non, reste là-bas, reste là-bas! T'as fini de ranger? Putain, merde. T'as fini de ranger? Ok, attends, attends! T'as fini de ranger. Ça goûte le plastique. Pas le. Ça goûte l'industriel. Je sais pas comment expliquer. Il y a un petit goût là qui me. Ça goûte la terre. Bijou, viens. Bijou. Il arrive. Il arrive. On l'a ici. On l'a ici. Et ça, c'est vrai. Tu veux une bombe ou pas? Tu coupes ça sur la pince? J'ai lavé! Tu vois, je suis bête, regarde. J'ai pris le truc rouge, j'ai lavé, j'ai mis de l'eau, c'est tout lavé. Je suis pas bête! Ah, mais je suis pas quand même. Aïe! Les gars, attends, ils m'ont vu laver ça! Ils disent c'est sale! Ouais. Je l'ai lavé! T'as pas fait quoi une recette? Ouais, ben, on mange un fruit là. Et puis, j'essaie de faire une. Je vais faire une compote de pommes. Comme ça. Oh. Ici, ben, je me suis dit de les faire là. Prends une bouchée pour voir. Non, pour le vrai, j'ai goûté du plastique. Je sais pas, j'ai l'impression que ça goûte du plastique. Non, prends ça. J'ai bien lavé tout. Non, prends une petite bouchée. Non, mais je veux pas. Aïe! Mais prends une petite bouchée. Non, mais je veux pas. Ouais, j'ai dit ça ou pas? Bijou, si c'est pas lui qui l'a coupé ou bien il y a un truc chelou, il va dire qu'il veut pas. En plus, j'ai fait exprès de te laisser celui qui a l'air le plus clean. Ah, je peux. Ok, tu veux le couper un peu au moins? Coupe-le, genre la façon dont tu coupes les trucs là. Non, coupe avec ça, ça c'est mieux. Mais lui, il est. Non, coupe avec ça, j'ai déjà coupé avec ça. Mais lui, il est meilleur. Goûte! Pas cuisiné, bon. Non, ça goûte vraiment la terre, bon. Et ce couteau coupe pas bien! C'est lui qui fait avec! Comme ça. Goûte! Moi j'ai coupé, mais j'ai laissé la peau. Toi t'enlèves la peau, hein. Goûte! Oh, c'est bien. Mais. Laisse tout cela, regarde, je vais le prendre tout à l'heure. Allez, gars, là, il a coupé en 1000 morceaux, là. Ok, mange au moins un, juste un. Non. Juste un. Lave-le comme tu veux, mange-le. Tu m'as dit de couper en 1000 morceaux. En quoi, c'est bon. Je coupe aussi avec toi ou pas? Ok. Coupe-lui. Ok. Mais coupe pas juste en 1000 morceaux aussi, là, comme ça. Mais tu m'as dit de couper en 1000 morceaux. J'ai pas dit 1000 morceaux comme ça, là, je fais des cubes de pommes, là. Mais tu voulais pas faire une compote? Hein?
Oh, désolé. Jean. Oui, désolé. Jean, qu'est-ce que tu fais? Faut jamais garder un couteau comme ça à côté de quelqu'un. Désolé. Déjà, quand on travaille avec des couteaux à l'école. Non. Enlève le couteau devant moi, s'il te plaît. Ok, mais tu veux que je garde pour moi alors? Non, juste enlève. C'est pas fini. Continue. Laisse le couteau. Ok. Je le laisse ici? Laisse. Ok. Carrément, il ne sait pas cuisiner. Il met le couteau devant la face des gens. Ah! Tu fais quoi? Ah! Yo! Mané! Yo! Tu fais quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as crié comme ça? Toi, pourquoi t'as crié comme ça? Ça me fait mal! Le couteau, il est là! Il est là! Mais ça me fait mal, quand même! Ouais, excuse. C'est comme ça que tu les aimais. Excuse. Ça t'a fait vraiment mal? Oui! Ça fait mal comment? Comment est-ce que t'as utilisé? Ça fait mal comment? Ça m'a fait mal! Oh, bisous. Je vais faire quelque chose comme ça? Il va dire, je l'ai fait mal. Il va dire. Je t'ai dit, ça m'a fait mal! Moi, c'était quoi? Jean, moi, c'était quoi? Non, ça a vraiment fait mal? Oui! What? Tout ce monde a coupé. Non, moi, je vais pas. En plus, ça m'a fait. Oh! Non. Qu'est-ce que tu. Bisous! Non, je suis pas avec l'eau! Je suis pas avec l'eau, bisous! Qu'est-ce que tu fais? Peut-être tu m'as fait mal en plus. Ok, excusez-moi! Non, dépose l'eau! Renverse pas l'eau sur moi! Non, je suis habillé là! Il pleut déjà dehors, s'il te plaît! Non! Tu veux manger des pommes là ou pas? Non! Que maintenant monte alors! On va continuer à ranger tes habits! Je suis pas avec l'eau! Ça fait mal? Oui! Arrête de faire genre bisous! Ça m'a fait mal! Pareil quand on joue au basket là! Il est tombé à peine, il a pleuré pendant 10 heures! Mais ça m'a fait mal! J'ai vu la vidéo, sa tête a battu sur la terre! J'ai mal à la tête, il avait rien! Ça fait vraiment mal? Lâche! Bon les gars, je me suis cassé en haut parce qu'il voulait pas monter. Et la vidéo, elle a finalement tourné d'une autre façon parce que Bijou, il a pris le couteau frais là pour couper les pommes parce qu'il a dit que l'autre ne coupait pas bien. Donc là, mon plan de prendre le couteau qui était un peu identique au fig a été un peu gâché. Ensuite de ça, me faire ça à moi n'allait pas vraiment bien parce que tu vois, les plans ont changé finalement et vous avez vu comment ça a tourné. Finalement, j'ai fait ça sur Bijou à lui et puis c'est ça quoi, il dit qu'il a eu vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Regardez ça. Oh! Ok, ouais, peut-être ça peut faire un petit peu mal si tu vas fort. J'espère que je suis pas allé fort, hein, parce qu'on peut ressentir une petite douleur. Genre. Ouais, oh shit, ok, bon, bref. Donc, les gars, voilà pour la vidéo. Likez, abonnez-vous. Même si on n'a pas fait la vidéo comme vous voulez le faire de base, ça a bien tourné. Tu vois. Il monte là. Bon, allez, bisous pour la vidéo.